Donc, bienvenue à cette réunion régulière du Conseil des comtés unis de Prescott Russell, le 27 octobre 2021. Welcome to this regular council meeting, October 27, 2021. On va y aller avec l'ouverture de la réunion. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur pour l'ouverture de la réunion. Monsieur Lafleur, Monsieur Kirby, tous en faveur. Madame Asley va réciter la vision. Prescott Russell continuera d'être une communauté unie par cette tradition et sa culture en marche vers la prospérité de tous ses citoyens. Prescott Russell will continue to be a community united by its tradition and cultures, working towards prosperity of all its citizens. Merci beaucoup, Madame Asley. Donc, on va procéder avec les prochains items. Déclaration d'intérêt pécuniaire, item 3. Monsieur le Président. OK. Ça a l'air que j'ai manqué une étape. Donc, vous voulez qu'on aille un à la fois déclarer notre présence? C'est bien ça? Allez-y, Madame Asley. Bien, c'est ça que je pensais, vu qu'on est en présentiel. Mais on l'a déjà fait, mais on le voit tout, que tout le monde ici, donc on peut prendre les présences. Donc, allez-y, Madame Asley, on va y aller un à un pour signaler notre présence. Daniel Lafleur, présent. Pierre Leroux, présent. François Saint-Amour, présent. Normand Riopelle, présent. Mario Zante, présent. Donc, merci beaucoup. Donc, on va résumer à l'item 3, déclaration d'intérêt pécuniaire. Monsieur le Président, à 9.2.1, je déclare mon conflit d'intérêt. Excellent. Donc, aucune autre déclaration d'intérêt pécuniaire? Donc, on va procéder à l'item 4, à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le Président, Monsieur Riopelle, pouvez-vous juste donner une brève description de votre conflit d'intérêt? Ça concerne la fameuse cimenterie à L'Orignal. Donc, je suis voisin de la cimenterie. Excellent. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Asley propose. Monsieur Zante appuie. Tous en faveur? Donc, on va passer avec les council meeting of September 22nd. Monsieur Zante, tous en faveur? Les items 6, pétition, délégation, présentation, on n'en a aucune. On va passer aux items 7, des rapports des départements. 7.1, les rapports de l'administration. Et à 7.1.1, nous avons une vidéo pour nous démontrer la progression de la construction du projet de le réaménagement de la résidence Prescott Russell. Donc, on va vous faire la présentation du vidéo. Je ne sais pas si M. le directeur général veut dire quelques mots avant la présentation. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, la construction va bon train. Donc, we're still on schedule and we're being provided with regular progress reports actually on a weekly basis. But once in a while, we produce a video to show the extent of the site and what has been done so far. Donc, ce matin, on va vous présenter ce qui est la troisième ou quatrième vidéo qui démontre la progression et où on en est rendu. Par rapport à la construction, vous allez voir que ça va, ça monte vite. On est encore à l'étape du coffrage et des coulées de béton, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs déjà étages de montée sur le côté sud-est. Et puis, c'est une belle vidéo pour vous démontrer l'ampleur du projet.
Merci beaucoup, M. Parisien, pour cette présentation. On voit qu'il y a du progrès qui se fait, un très gros projet. On s'imagine que un projet de cette envergure-là, c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les jours. C'est le fun de pouvoir voir le progrès de ça, puis j'espère qu'on aura d'autres présentations. Je sais qu'on est loin de l'étape de commencer à faire des visites. Ça peut prendre encore plusieurs mois, mais c'est intéressant de voir le progrès. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions pour M. Parisien au sujet du vidéo ou du progrès qui est fait avec la construction? Aucun? Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est l'entrepreneur ou le project manager pour cette vidéo-là, ou même nous, l'administration. Merci. Donc, on va passer à le prochain item qui est... est-ce qu'on n'avait pas besoin de recevoir la vidéo, rien. On va passer au prochain item, 7.1.2, qui est à savoir si on veut faire des demandes de délégation pour la conférence Roma 2022. Donc, je vous cède la parole, les membres du conseil, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, à savoir, ou peut-être même M. le directeur général. M. Lafleur, vous aviez un commentaire? M. le Président, membre du conseil, est-ce que ce serait important qu'on fasse une demande encore pour le 174 ou… Personnellement, je pense qu'on est en attente. On avait la ministre du Transport, Mme Mulroney, qui nous avait dit qu'il regarderait à organiser une rencontre avec le ministère des Infrastructures et le ministère des Affaires municipales. Pour l'instant, je pense qu'on est en attente, mais c'est à votre discrétion. Si vous voulez, je sais que ça fait 2 ans en ligne qu'on fait la même délégation. Je comprends que ça va peut-être pas aussi vite qu'on aimerait, là, la rencontre. On aurait peut-être aimé l'avoir plus vite, là, parce que ça date quand même de… je me rappelle pas, là, c'était à OGRA ou à Roma qu'on avait fait la délégation la dernière fois, mais ça fait quand même 8 mois, là, 10 mois de ça, presque. Donc, M. Zahn, vous avez un commentaire? M. le Président, je pense qu'il n'y a rien vraiment qui a changé dans nos relations avec la Ville d'Ottawa. Comme vous savez, notre conseil à la cité de Clarence Rockland a créé un comité, justement, pour être capable de faire une sorte de roadmap pour ça. Je crois qu'on devrait peut-être attendre à l'année prochaine que tout soit complété afin de rencontrer la ministre. Je pense que le message était très, très clair la dernière fois. Qu'on devrait s'organiser avec la Ville d'Ottawa pour faire sûr qu'on a tout en place. Puis, comme c'est là, on n'a rien de prêt. Merci. Merci beaucoup, M. Zahn. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires, M. Leroux? Merci beaucoup, M. le Président. Peut-être juste demander à la direction s'il y a des sujets chauds qu'ils ont besoin de l'assistance du côté politique. T'sais, on avait ambulance issues always one, but I think that's being worked on now, so I'm not sure if the directors have any files they find they could use us to push it a little further. Monsieur le Président, membre du Conseil, à ce stade-ci, ce serait une répétition, là, vraiment, des délégations qu'on a eues dans le passé. Donc, pour moi, je vous dirais, je ne vois pas la nécessité de reprendre ces mêmes sujets-là encore une fois, là. Mais c'est laisser la discrétion du conseil. On n'a pas vraiment de sujet chaud à ce stade-ci à amener devant la table du gouvernement. Merci beaucoup, M. Parisien. S'il n'y en a pas qui ont d'autres commentaires, je voulais juste dire aussi que je crois qu'on a vu que la Ontario Good Roads Association va être en présentiel en février. Donc, je pense que si on a peut-être des délégations à demander, peut-être qu'on devrait attendre à ce moment-là et vraiment rencontrer les ministres face à face. C'est toujours, ça a toujours une différente impact que de faire une délégation virtuelle, à mon avis. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Sinon, si vous avez d'autres commentaires, c'est le temps. Sinon, peut-être que s'il y en a des chefs de département qui croient qu'il y aurait des sujets qu'ils aimeraient emmener, bien… Juste que M. Parisien soit au courant pour qu'on puisse en parler, parce qu'on a quand même encore un mois, je pense, avant de pouvoir. Je pense que c'est jusqu'au 22 novembre qu'on peut rentrer les délégations. Donc, excellent. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour juste dire qu'on ne soumet pas de délégation pour l'instant, ou est-ce qu'on veut le rapporter, le sujet? Monsieur le Président, au lieu de prendre décision ce matin, je laisserai quand même ça ouvert. Là, on a encore quelques réunions avant la…
au moins une réunion avant la, la clôture là, des soumissions. Donc, je laisserai simplement ça ouvert. S'il y a, s'il y a quelque chose qui survient, soit au niveau de l'administration, des membres du conseil, on pourra toujours le rajouter au plénier. Merci beaucoup, M. Parisien. Donc, Mme Cadieux, est-ce qu'on a besoin de résolution ou tout simplement qu'on va rediscuter? Une résolution pour supporter ce que M. Parisien dit de rapporter le sujet à une autre réunion. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Leroux, appuyé par M. Saint-Amour. Tous en faveur? Excellent, merci. Donc, on va passer au prochain item du 7.2 des items du développement économique et touristique. À 7.2.1, c'est demande de financement ancienne prison de l'Orignal. L'ancienne prison de l'Orignal. Depuis 2013, un bail à 1 $ était loué au comité de l'ancienne prison de l'Orignal pour s'occuper à garder les locaux en bon état pour des visites guidées. Les visites guidées qui racontent l'histoire de la première prison en Ontario depuis 1825. Alors, en partenariat avec le comité patrimoine de l'Orignal, ces bénévoles ont transformé les locaux de la prison en musée, où on y retrouve aujourd'hui plusieurs artefacts et histoires. Depuis 2013, nous remettons une subvention annuelle au comité de l'ancienne prison de l'Orignal pour leur venir en aide pour leurs différentes activités. Des visites guidées sont maintenant offertes depuis 2011 et des activités telles que la pièce de la dernière pendaison, c'est un, relatant un cas qui s'est produit à la prison dans le temps. That production, la dernière pendaison, will not be returning and is and it was a very large income for the past 9 years for the old jail. If in 2022 COVID restrictions are still present, they will struggle to keep the doors open to visitors. Fortunately for 2022, they were approved with a federal and provincial grant for summer students that covers 100% of the cost. They will employ 2 students for guided tours. Les coûts d'assurance et d'opération se chiffrent à 13 500 par année et la tente où ils avaient leurs événements, comme la pièce de théâtre, a besoin de réparation. Ils sont aussi à planifier le 200e anniversaire de l'ancienne prison de l'Orignal en 2025. Annuellement, nous leur remettons une subvention de 7 000 $ depuis plus de 5 ans. Et ils demandent au conseil une augmentation de 3 000 à leur subvention pour un total de 10 000. S'il y a des questions, je suis disponible à répondre. Merci, Mme Lavigne. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires des membres du conseil? Monsieur Riopelle? Je proposais d'aller de l'avant avec le 10 000 de subvention pour aider la cause. Aussi, je pense que c'est octroyable de la façon que c'est demandé. Ce n'est pas un extra de 10 000, c'est juste d'additionner depuis, je pense que c'est les dernières 8 ans, si ma mémoire est bonne, que les comtés unis n'ont jamais augmenté leurs assiettes concernant cette demande. Donc, 8 ans plus tard, les octroyer 3 000. Comme Mme Lavigne a mentionné, la TARP est finie. Le coût d'assurance, juste les assurances, c'est 3 500 $ par année, parce que les comtés unis lui demandent une couverture de 5 millions. Donc, c'est extrêmement dispendieux. Donc, je demanderai l'appui du conseil. Je le propose. Donc, j'ai des commentaires. J'ai des commentaires. Je vais commencer avec M. Kirby. Moi, j'appuie la demande. Je pense que c'est Et c'est historique dans notre région, puis comme c'est là, je pense peut-être que c'est une bonne idée de les aider. Merci. Merci beaucoup. M. Kirby, donc est-ce que c'était juste des pour seconder ou c'était des, il n'y avait pas de questions ou commentaires? M. Saint-Amour? Merci. J'étais pour supporter. M. Kirby m'a battu, était plus vite que moi. Mais c'est bien important de garder nos lieux patrimoniaux dans la région. Vous savez, comparé à d'autres régions, on n'a pas des tonnes de ça. Comme ça, celle-là, il faut la garder. Puis, si jamais qu'on envoie d'autres lieux, encourager à les garder. Parce que notre histoire, il faut la protéger. Merci beaucoup, M. Saint-Amour. M. Parisien, vous aviez un commentaire? Oui, M. le Président. Pour l'administration, c'est un no-brainer. Cet organisme-là, c'en est un de semble lucratif qui s'occupe de la prison. La prison, ça fait partie du stock mobile des comtés unis de Pascal Russell. D'avoir un groupe comme ça qui est capable de rehausser le caractère de notre région, de l'Orignal, de son patrimoine, c'est vraiment pas
c'est vraiment pas un problème. Je pense que rien qu'au niveau de l'administration, on appuie le travail qu'ils font, puis on reconnaît ce qu'ils peuvent apporter à notre région. Merci beaucoup, M. Parisien. Donc, on a M. Riopelle qui a proposé, M. Kirby qui a appuyé. Est-ce que tout le monde est en faveur? Un commentaire, M. C'était juste une question. Si ça appartient à nous, je vois que les coûts d'assurance montent, mais ça ne serait pas avantage à regarder à possiblement mettre en dessous de notre coverage? De cette manière-là, que l'augmentation ne serait pas prise à donner une compagnie d'assurance juste pour couvrir quelque chose qu'on appartient déjà? Monsieur le Président, Monsieur Leroux, c'est toujours un petit peu tricky, c'est pas le bon mot, là, mais d'avoir une corporation, puis de l'avoir sur notre couverture parapluie. On demande d'avoir des couvertures séparées. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fait par l'entremise de notre courtier, mais on demande toujours d'avoir des couvertures séparées to be at an arm's length. Donc, tout le monde est en faveur? Items from the Finance Department, 7.3.1 is monthly accounts. Is there any questions? All the documents are there. You had a chance to consult the documents if you have questions on the monthly accounts. Anybody? No? Donc, j'aurais besoin d'un mover and seconder pour recevoir les comptes. Monsieur Saint-Amour, Madame Asley, tous en faveur? Prochain item, 7.3.2, changement au budget préliminaire 2022. Donc, on a demandé à notre trésorière de faire des changements pour du budget. Donc, Madame Parisien, je vous cède la parole. At the last committee of the whole council instructed the administration to reduce the taxation rate that was initially proposed at 3.56% to 3%. So we've made those changes to the preliminary draft to reach that goal. Donc, le document que vous avez en main représente simplement les changements entre la version préliminaire qui a été présentée au dernier comité plénier et les changements qu'on vous propose pour atteindre l'objectif du conseil de 3 % Donc, je demeure disponible si vous avez des questions. En partant, est-ce que aussi il y a eu une révision du côté des assurances pour la corporation? Monsieur le Président, membre du Conseil, effectivement, on est dans le processus de renouvellement de nos assurances générales. On a obtenu des instructions, des directives de notre courtier en assurance. Donc, on a dû ajuster la prime au budget 2022 pour refléter ces modifications-là. Merci beaucoup, Madame Parisien. On voit qu'on devait couper un peu pour amener ça à notre suggestion d'une augmentation de 3 % mais en même temps, on a eu beaucoup d'augmentation du côté des assurances. Je pense que ça devient lourd pour les municipalités, les assurances. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font partie des compagnies qui peuvent assurer les municipalités. Puis on voit des montants là, exorbitants. Je ne sais pas si vous avez un total approximatif de l'ampleur de ces changements-là à travers tous les départements. Est-ce que vous avez peut-être juste un aperçu? Monsieur le Président, en fait, c'était pour atteindre l'augmentation de 3 % on a dû réduire le budget de 273 000, qui est la diminution que vous voyez au niveau de la réquisition au tout début du document. Donc, l'ensemble des changements totalise 273 000 pour atteindre l'objectif de 3 % Excellent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour Mme Parisien? Puis là, c'est tout simplement de recevoir les modifications au budget préliminaire. Donc, ce n'est pas d'approuver le budget pour 2022 aujourd'hui. Effectivement, M. le Président, simplement pour récapituler, on va vous présenter une version révisée qu'on appelle le budget final le 10 novembre au prochain comité plénier. Et on planifie toujours adopter le budget pour l'année 2022 le 24 novembre à la réunion régulière. Donc, je vais lire la résolution. Par la suite, je demanderai un proposeur et un appuyeur. Donc, qu'il soit résolu que les modifications au budget préliminaire 2022 soient approuvées telles que présentées. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Mme Asley propose. M. Lafleur appuie. Vous êtes tous en faveur? Excellent. Merci beaucoup, Mme Parisien. On va passer au prochain sujet, le sujet 7.4 du Planning and Forestry. Urbanisme et foresterie. Donc, item 7.4.1, qui est UF005-2021, demande de morcellement B063-2021. Donc, vous avez tous pris connaissance du document. C'est une demande qu'un citoyen a fait, puis qui va à l'encontre du
du plan officiel, mais c'est quelque chose qu'on a, on a parlé à, justement aux réunions de département de foresterie et d'urbanisme. Donc, j'aurais besoin de savoir quelles sont vos directives là-dessus suite aux recommandations du département de planning qui dit que la décision soit différée jusqu'à temps que le processus de révision du plan officiel soit complété. Donc, M. Lafleur. M. le Président, membre du Conseil, moi, je propose d'aller contre la recommandation. Donc, j'ai une proposition pour aller à l'encontre de M. Kirby. Oui, j'appuie. Vous appuyez la proposition de M. Lafleur. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que la recommandation du rapport UF005-2021 soit rejetée et que la demande du morcellement B063-2021 soit approuvée conformément aux conditions énumérées dans la pièce du rapport. Je pense que c'est l'annexe B. Est-ce que c'est ça? Donc, j'ai un proposeur et un appuyeur. Est-ce que vous êtes tous en faveur? Tous en faveur? Excellent. Donc, prochain item, qui est le 7.4.2, qui est un peu une demande dans le même sens. UF006-2021, demande de morcellement B073-2021. Donc, encore là, vous avez pris connaissance. C'est un sujet qu'on a discuté à une des réunions du comité d'urbanisme et foresterie. Puis encore là, la recommandation est que la décision soit différée jusqu'à ce que le processus de révision du plan officiel soit complété. C'est la recommandation. Donc, Madame Asley? Oui, Monsieur le Président, j'ai pris connaissance du document. J'ai bien fait la lecture même à deux reprises et je propose de voter contre la résolution. Excellent. Est-ce que j'ai un appuyeur, Monsieur Saint-Amour? Mais là, je pense qu'on va dans la même veine. Si on va à l'encontre de la recommandation, puis si on va à, pour approuver, la, on est exactement au même endroit. Donc, vous approuvez d'aller à l'encontre de la recommandation. Oui. D'allouer le... Let's deal avec la proposition de Mme Asley en premier lieu, peut-être. OK, bien, si j'ai bien compris, vous voulez aller à l'encontre de la recommandation pour allouer le... Exactement, Monsieur le Président. Je suis contre la recommandation de différer. Okay. Je, essentiellement, je suis contre la recommandation. Si Monsieur Saint-Amour est prêt à appuyer, ça oui. va. Oui. Bon, alors, donc, merci. Dans le même sens, c'est la recommandation du rapport UF006-2021 soit rejetée et que la demande de morcellement B73-2021 soit approuvé conformément aux conditions énumérées dans la pièce jointe du rapport qui est l'annexe B. Donc, c'était la proposition de Mme Asley, appuyée par M. Saint-Amour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Tous en faveur? Excellent. On arrive maintenant au département des travaux publics, à l'item 7.5. Et la première item des travaux publics, c'est le 7.5.1. Rapport TP003-2021 qui est au sujet de l'étude des frais de redevance d'aménagement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a demandé suite à la dernière réunion du comité plénier. Donc, je vais céder la parole à notre... J'ai pratiquement rien changé du rapport préliminaire que j'avais présenté à la dernière réunion. Donc, essentiellement, c'est que ça demeure la même recommandation, c'est que je recommande au conseil d'aller vous supporter, d'aller d'avant qu'une étude en 2022 pour les redevances d'aménagement, donc les development charges. Puis, principalement, je pourrais débuter, aussitôt que c'est approuvé aujourd'hui, là, à faire un appel d'offres pour trouver un consultant pour afin de commencer les débuts ou les travaux au début 2022 le plus rapidement possible. Fait que c'est essentiellement ça. C'est d'entreprendre la démarche pour mettre en place des consultations
pour aller de l'avant à regarder la possibilité d'avoir des frais de développement. Donc, et c'est non pas aujourd'hui d'imposer des frais de développement, c'est juste d'aller avec le processus, d'enclencher le processus. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour M. Bouchard? M. Saint-Amour? Pas pour M. Bouchard, c'est pour appuyer la recommandation. Donc, vous proposez d'aller de l'avant. Est-ce que j'ai M. Lafleur qui appuie? Donc, vous êtes tous en faveur? Excellent. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour M. Bouchard? Aucune? Excellent. Donc, merci beaucoup, M. Bouchard. On va y aller de l'avant avec les items du service d'urgence 7.6. Donc, 7.6.1, c'est rapport SU001-2021. C'est pour l'autorisation d'un achat. Je vais céder la parole au directeur du département du service d'urgence, M. Périard. À ce temps ici, le département de service d'urgence doit fournir un bon d'achat à notre fournisseur d'ambulance pour sécuriser nos véhicules pour l'année suivante. Cette année, le fournisseur demande un dépôt de 30 % qui est nouveau. Ce montant-là pour trois nouvelles ambulances pour l'année prochaine s'élève à, au-delà de 195 000 $. This is an amount that's already in our reserve budget and would be spent next year, but needs to be forwarded to the service provider right now with the PO order to ensure that we'll have timely delivery of these vehicles in early 2022. So this morning we're looking for the council's approval to be able to transfer that amount from the reserve budget to be able to secure that purchase. Merci beaucoup, M. Perriard. Est-ce qu'il y en a qui ont des... nouveau, ou c'est trois nouveaux pour remplacer des vieux? J'ai compris. Monsieur le Président, membre du Conseil, Monsieur Kirby, oui, c'est le remplacement prévu dans notre... comment je dirais ça, le flow là, de nos véhicules. Fait que c'est trois véhicules qui sont vieux, qui ont besoin d'être remplacés. Fait que c'est ce qui était prévu là, dans notre budget de 2022. Merci. Autres questions et commentaires pour M. Perriard? Aucune. M. Lafleur? M. le Président, membre du Conseil, M. Perriard, les véhicules qu'on remplace, est-ce qu'on a un montant de rechange disant est-ce que lorsqu'on change notre voiture, normalement, on devrait avoir un montant de rechange? Est-ce qu'on a un montant de rechange ou ça l'arrête là? Monsieur le Président, membre du Conseil, M. Lafleur, ce qu'on fait avec nos véhicules qu'on remplace, ils sont mis en enchère sur un site GovDeals. And what happens is the amount that we get through that sale of the vehicle is applied to the purchase of next year's vehicles. Fait que si les véhicules, ils se vendent pas cher, là, des fois, on est chanceux, on a 5 000, 6 000 $ pour ces véhicules-là. Ce montant-là est appliqué à nos achats de l'année suivante. Monsieur Parisien, vous aviez aussi un commentaire? Oui, Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est juste pour clarifier, parce que je ne suis pas sûr que c'est clair pour tout le monde, c'est que ces véhicules-là sont dans le budget de 2022. Lorsqu'on va adopter le budget au mois de janvier, en principe, Monsieur Perriard pourra faire l'achat sans venir au Conseil. Mais comme on fait la demande de faire un dépôt en 2021, j'accepte vos excuses, M. Lafleur. À cause qu'on demande d'acheter ces véhicules-là ou de faire un dépôt avant l'année 2022, on doit faire une demande de ce qu'on appelle une dérogation à notre politique d'approvisionnement. Si c'est en deçà de 50 000, je peux autoriser cette dépense-là. Comme elle excède un montant de 50 000, on doit venir dans le Conseil. Donc, c'est du remplacement de véhicules, c'est pas du rajout comme tel. Puis, c'est simplement que dans le contexte actuel, on n'a pas la liberté de faire cet achat-là sans passer par le Conseil parce qu'on n'a pas encore adopté le budget 2022 et qu'on n'est pas en 2022 non plus. Merci beaucoup, M. Parisien. S'il y a d'autres questions, commentaires, je sais qu'on avait eu des discussions qu'il y avait déjà des fonds de réserve pour qui se bâtit, qu'on met de l'argent à chaque année dans le département de services d'urgence pour faire l'achat des ambulances. Donc, la portion, qu'est-ce qu'on demande présentement, c'est le dépôt, puis la balance de l'achat, là, je pense, au montant de 575 000, là, qui, ben, il y aura une balance dans le budget qui sera inclus dans le budget 2022.
Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, ou M. Riopel? C'est juste pour le proposer, aller de l'avant. Donc, proposé par M. Riopel, appuyé par M. Leroux, tous en faveur? Excellent. Merci beaucoup, M. Périard. Donc, on va passer au rapport des comités permanents et consultatifs aux items au 8. Donc, 8.1, c'était « was a Social Services Committee report dated September 22nd, 2021. Any questions or comments? You have a chance to go through the report. Seeing none, just need a mover and a seconder. Madame Asley, Monsieur Leroux, tous en faveur? 8.2 was Emergency Services Committee report dated September 29th, 2021. You had a chance to consult the report. Is there any questions or comment? None? You moved by Mr. Lafleur, seconded by Mrs. Asley. Donc, item 8.3, Home Committee Report, dated September 29, 2021. Encore là, vous avez eu la chance de lire le document. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Sinon, ça prend un proposant et un appuyeur. Madame Asley propose. Monsieur Saint-Amour appuie, tous en faveur. 8.4 du Comité d'urbanisme et forestier, le rapport qui est daté du 8 octobre 2021. Questions, commentaires sur le rapport qui est en attachement? Non. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Juste faire sûr que la résolution. Est-ce que vous voulez lire cette résolution-là? Non, pas plus que... Okay, parce que je regardais, elle était très longue, donc... mais excellent. Donc, j'avais proposé à M. Kirby, appuyé par M. Riopel, tous en faveur. Excellent. 8.5, qui est le rapport du comité plénier du 13 octobre 2021. Questions, commentaires sur le rapport? Sinon, ça prend un proposé et un appuyeur. M. Saint-Amour propose. M. Zant appuie, tous en faveur. Puis, le dernier serait à l'item 8.6 du département des travaux publics, le rapport qui date du 13 octobre 2021. Encore là, vous avez pris connaissance du rapport. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait proposant et un appuyeur. Proposé par M. Lafleur, appuyé par M. Zant. Tous en faveur. On va y aller aux items 9 avec la correspondance. Donc, 9.1... qui sont les correspondances d'informations. 9.1.1, solliciteur général, plan de sécurité et de bien-être communautaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole à ce sujet-là. C'est plus ou moins une communication pour nous dire qu'on fait partie des municipalités qui ont mis en place le Community Safety and Wellbeing Plan. Je ne suis pas sûr que toutes les municipalités en sont là à travers l'Ontario. Mais nous, à base de comté et de nos 8 municipalités, on en est là, puis on a reçu une lettre du solliciteur général pour nous remercier d'avoir participé, puis qui mentionnait la date limite. Donc, est-ce que j'ai besoin de recevoir la correspondance un à un? Oui. Peut-être vu que… oui. Juste pour 9.1, puis 9.2 va pouvoir être abordé différemment. OK. Excellent. Donc, j'aurais besoin d'un proposant et un appuyeur pour recevoir la correspondance du solliciteur général. Monsieur Saint-Amour, Madame Asley, tous en faveur? Donc, 9.2, qui est les correspondances à suivre. Monsieur Riopel se retire en conflit d'intérêt. Je me retire, puis je vais sortir de la salle pour ne pas avoir d'influence. OK, merci beaucoup, Monsieur Riopel. Juste éteindre votre micro. Donc, 9.2.1, canton de Champlain demande pour une nouvelle approbation de conformité environnementale pour Colasem. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est demande notre support, à savoir si on appuie ou on fait juste recevoir leur demande au ministre de l'Environnement de reconsidérer les études pour la cimenterie à Lorgnal. Donc, il y a des questions, commentaires? Monsieur Saint-Amour, vous avez une question? Non, c'est pour proposer de la recevoir. Recevoir? Bien. Est-ce que j'ai… Madame Asley? Oui, je vais appuyer la résolution qu'on a devant nous.
Mais, OK, mais M. Saint-Amour parle de recevoir la résolution, c'est ça? Et non de l'appuyer. Juste faire sûr que c'est clair pour vous, Mme Astley. Oui, un instant, là, je vais juste m'assurer là, exactement ce qu'il demande. Parce qu'il semblerait qu'il voudrait qu'on appuie, donc ça serait une matière de recevoir à ce moment-là. Si vous voulez appuyer, on doit l'appuyer. Si c'est juste pour recevoir, on ne l'appuie pas en tant que Comté Uni, on fait juste le recevoir. Donc, notre nom n'est pas rajouté à la résolution si ça retourne au ministre de l'Environnement. Si je comprends bien, Mme Cadieux? Donc, à ce moment-là, il faudrait la recevoir si on ne veut pas. Ça dépend de. Il faudrait que les membres du Conseil se penchent un peu sur cette résolution-là, à savoir si on va tout simplement la recevoir ou si on est prêt à adopter la façon dont c'était écrit. De la recevoir, de l'adopter. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les autres membres du Conseil pensent. Mais présentement, on a une proposition pour le recevoir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut… Donc, on n'a pas personne pour appuyer, pour seconder ça. Donc, est-ce qu'on a une proposition autre? Je vais l'appuyer à ce moment-là. Donc, Mme Astley propose d'appuyer la demande de Champlain, puis M. Leroux… supporte, est en faveur de la résolution aussi. Donc, est-ce que vous êtes tous en faveur? Question, commentaire, M. Kirby? Oui. On vote-tu sur la proposition de M. Saint-Amour? Présentement, on n'a pas eu personne pour appuyer M. Saint-Amour à recevoir. Oui. Donc, on a… C'est moi. Non, mais vous avez proposé par la suite d'appuyer. Puis M. Leroux a secondé d'appuyer la demande de Champlain. Est-ce que j'ai bien compris, Madame? C'est ça. Donc, présentement, on est à appuyer la demande de Champlain, à retourner au ministre d'Environnement pour refaire la… M. Kirby, est-ce que vous… C'est… Je pensais que vous devez appuyer M. Saint-Amour. C'est parce que je pense que, originalement, M. Saint-Amour, je pense que c'était pour appuyer… Non, recevoir. Recevoir. Alors, recevoir. OK, mais c'est parce qu'il faut juste comprendre, peut-être on pourrait voir quels membres qui sont en faveur de la recevoir, puis combien de membres qui sont en faveur de l'appuyer. C'est ça le but. M. Leroux, vous voulez commenter? Bien, si on a un appuyeur puis un secondeur pour recevoir, on ouvre la période de questions, on va faire nos commentaires, on va voir où le vote va aller, and then we'll see if we have to go to the support, if we go to support or not. Excellent point. Donc, juste faire sûr que tout le monde comprenait bien. Donc, c'est proposé de recevoir par M. Saint-Amour, puis Mme Astley appuie de recevoir, puis c'est bien ça. Puis là, vous avez question, commentaire à ce sujet-là. Bien là, je vais faire mon commentaire. La seule chose qu'ils demandent, c'est supporter Champlain, envoyer une lettre au ministère, puis ils font la demande du ministère. Je ne sais pas comment le ministère va réagir. Mais vraiment, when we're talking about the environment, it's the ministry's responsibility. The whole issue we had in the past was a planning issue. It wasn't in regards to environment. So I have no problem whatsoever supporting Champlain moving this forward and sending a letter asking the ministry to just, you know, do their studies, review the information to make sure that the residents are well protected. I'm good with support. But if we're voting on just receiving, I vote against that. Peut-être que je pourrais rectifier le tir un peu et retirer d'appuyer simplement de recevoir et de supporter Monsieur Leroux où on supporte la résolution. Monsieur Sarrazin. On a besoin d'un vote quand même. Vous pouvez voter contre la résolution, puis vous pouvez redemander pour appuyer. OK. Donc, essentiellement, la première résolution, on peut voter contre. Bien, c'est juste qu'on n'avait pas personne pour… parce que je pense que Mme Astley a mal compris. Elle ne voulait pas appuyer, de dire qu'on fait seulement que la recevoir. C'était un malentendu. Donc, est-ce qu'on a premièrement… parce que la première proposition qu'on a, c'est M. Saint-Amour qui dit qu'on reçoit… la demande de Champlain.
Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer M. Saint-Amour dans cette veine-là, de juste recevoir? Donc, là, on n'aura pas besoin d'un vote très longtemps. On n'a juste pas personne pour appuyer. Donc là, c'est évident que ça prend quelqu'un pour proposer d'appuyer la demande de Champlain. Donc, M. Leroux la propose, Mme Asselet l'appuie. Oui. Donc, tous en faveur? Est-ce qu'on... Vous êtes en faveur, M. Zant, là? Est-ce qu'on demande juste qu'on prend un vote, Mme Cadieux? C'est juste un vote, à moins que M. Zant veuille un vote enregistré. Non, aucun vote enregistré est nécessaire. C'est juste que je trouve que quand que ces choses-là arrivent, des lettres comme ça, je comprends l'inquiétude. Par contre, it's a slippery slope when, you know, the entire county starts supporting to rescind environmental... assessments. So I'm on the fence with this one, so I'm not sure yet. I know I have to make a decision, but I don't know. It's slippery slope. That's all. Monsieur Kirby, vous avez un commentaire? Oui. Une question peut-être. Il n'y a pas, avec ce que M. Leroux a proposé, il n'y a pas d'engagement financièrement? Non. Il n'y a aucun engagement financièrement. C'est, puis ça ne veut pas dire que le ministère de l'Environnement va accepter. C'est juste que, est-ce que nous, on décide d'appuyer la demande de Champlain pour envoyer ça au ministère de l'Environnement? C'est tout simplement qu'est-ce qu'on vote dessus présentement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Parisien? Non, moi, je demanderais juste l'avis de M. Prévost pour pas qu'on soit dans une situation compromettante, si ça vous fait rien. Excellent. Donc, est-ce que M. Prévost est présent pour commenter ce sujet? Porter la modification plan officiel pour permettre... La modification plan officiel comme tel. Puis la grande majorité de la recommandation du département dans ce dossier-là était basée sur des études qui avaient été préparées justement par Colasem, qui ont été soumises au ministère de l'Environnement pour justement, qui ont été utilisées pour l'approbation du certificat d'approbation. Donc, la compagnie a obtenu le certificat d'autorisation basé sur des études qu'ils ont présentées. Puis, je peux vous assurer que le ministère ne donne pas d'autorisation comme ça, vite, vite, comme ça. Là. C'est sérieux, cette affaire-là. Puis, Colasem a été obligé de fournir des informations supplémentaires avant que le ministère puisse émettre un certificat comme tel. Donc, c'est entièrement à la discrétion du conseil de supporter la demande de la municipalité, mais si moi, je pourrais vous suggérer, c'est si vous avez des doutes ou des inquiétudes, on pourrait demander un représentant de la compagnie qui vienne vous expliquer exactement ce en quoi consiste une approbation, un certificat d'approbation comme tel pour une telle industrie avant de prendre une décision. Une simple suggestion. De Colasem, puis on ne parle pas juste d'une étude, on parle de 14 études qui ont été soumises par Colasem dans ce dossier-là. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup d'études, M. le Président, qui ont été faites. Puis d'ailleurs, ils ont pratiquement tous été critiqués puis épluchés lors des audiences du tribunal d'appel d'aménagement local. Puis écoutez, la décision du tribunal a fait en sorte que Colasem peut aller de l'avant avec son projet. Donc, il n'y a pas rien qui a été soulevé qui pourrait mettre en doute là, les résultats de l'émission du certificat d'approbation. Puis, je vais vous demander quelque chose, M. Prévost. À votre avis, est-ce qu'une telle demande serait même considérée par le ministre de l'Environnement? Il y a quand même eu beaucoup d'études de fait de Colasem à dire à Colasem de retourner à la table avec des consultants puis de repayer des ingénieurs pour refaire les études. Est-ce qu'à votre avis, c'est cause perdue? C'est une bonne question que vous me posez là, que je n'ai pas de réponse, M. Sarrazin. Tout ce que je sais dans ce dossier-là, c'est que les compagnies puis les experts qui ont été embauchés ont fait une bonne job, si vous me permettez l'expression. Puis c'était du sérieux. Moi, j'ai participé à toutes les audiences, toutes les journées d'audience, puis j'ai recommandé la modification partielle basée sur ça. Puis on les a même fait vérifier par une tierce partie pour s'assurer qu'ils étaient conformes. Suite à cela, il y a d'autres études qui ont été soumises par la compagnie pour satisfaire les exigences du ministère pour justement avant l'émission du certificat. Merci beaucoup, M. Prévost. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Oui. M. Leroux? Merci beaucoup, M. le Président. À la fin de la journée, on supporte Champlain pour faire une demande au ministre.
on n'est pas le ministère, c'est pas nous autres qui va faire la décision s'il va encourir des coûts, réévaluer toutes les études, puis ça, c'est vraiment le ministère. Nous autres, on fait de supporter la demande d'envoyer une lettre. That's it. Je veux dire, c'est à la fin de la journée, là, it's no skin off our back. If we take the position we don't want to support Champlain, then we're sending a message that we have no wish to support the municipality and asking that the ministry double check its figures. That's it. Madame Asley, vous aviez aussi un commentaire? Oui, effectivement, M. Leroux a très bien résumé la situation. C'est exactement ce que j'étais pour dire, alors je ne vais pas répéter. C'est simplement le ministère qui va regarder le dossier et qui va faire la décision. Nous, ça ne nous engage absolument à rien. Donc, si le ministère décide que non, il ne le fait pas, ça va être non et ça va finir là. Merci beaucoup, Mme Asselin. Monsieur Zant, un commentaire? Merci, M. le Président. If our input meant nothing, they wouldn't be asking us to back it. So, it, according to them, it does pull something. So, with all due respect, je pense que we're an upper-tier municipality that sends a message by backing this. And we understand, like, people are upset about this. It's a touchy subject. There's no doubt about it. But the environmental studies have been made. The assessment has been provided. And I know it's not going to do it. It doesn't cost anything. Doesn't do anything to just send a letter. Mais par contre, moi, je trouve que ça a un impact en disant au ministère même que one of its upper-tier municipalities doesn't believe in this. It doesn't believe that the assessment should be done. All it's going to do is redo another assessment qui va avoir les mêmes résultats que celle-là. Alors, je ne sais pas c'est quoi le but des citoyens de Champlain. Malheureusement, j'habite pas là, mais is it just to delay everything? What's the goal? Because I think, comme M. Prévost a déjà dit, on a déjà passé au travail des étapes, ça a déjà été fait, ça a été voté, ça a été donné. Sure, if council wants to send a letter, ça me dérange pas. Mais moi, je suis contre parce que on a des processus en place pour une raison. It was, you know, the assessment was given. That's it. C'est fini. Merci beaucoup. Je m'excuse, M. le Président. Si c'est la volonté du conseil, je comprends. Par contre, moi, je serais contre. Merci beaucoup, M. Zant. M. Saint-Amour. Merci, M. le Président. Je vais demander un vote enregistré. Excellent. Donc, sur la proposition de M. Leroux et d'appuyer la demande de Champlain. Donc, on a une proposition de M. Leroux qui est appuyée par Mme Asley. Donc, on va demander un vote enregistré. Mme Cadieux, je vous laisse faire les choses nécessaires pour engager dans un tel vote. Puis, je vous cède la parole. Une autre question, M. Leroux? Question avant qu'on vote, puis juste clarification peut-être de M. Prévost. L'assessment qui parle dans la résolution, ça dit « based on the combined impact of the cement plant and the quarry operation ». So that gives the impression that that wasn't taken into consideration, that it was just looking at the quarry, not the cement, or the cement plant. Not the quarry. Peux-tu juste confirmer si c'est le cas? Je sais que tu sais, il y avait eu bien des rapports, mais la façon dont c'est écrit ici, il semble à donner l'impression qu'il n'y avait pas une étude combinée qui a été faite. Monsieur le Président, Monsieur le membre du Conseil, Monsieur Leroux, c'est pour ça que j'ai suggéré à Monsieur Leroux de communiquer ou de faire du conseil. C'était une chose, puis le ministère a demandé plusieurs autres études, notamment une étude d'impact conjointe. Là. Puis, prenez pas mon mot là, pour comme la vérité là-dessus, là, absolue, là, parce que les représentants de la compagnie ont dû faire d'autres études. Ce serait les meilleures personnes à vous informer à ce niveau-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de désinformations qui ont été véhiculées depuis plusieurs années par rapport au projet comme tel. Donc, c'est pour ça, moi, encore là, je vous suggérais, si vous voulez avoir des réponses, de demander à un représentant de la compagnie qui vous explique exactement ce qui a été fait pour obtenir ce certificat.
Merci beaucoup, M. Prévost. Présentement, qu'est-ce qu'on a sur la table? C'est une proposition, puis quelqu'un a appuyé, puis là, on est à faire un vote enregistré. Mme Cazieux, oui, je vous cède la parole. Parfait. Donc, Mme Astley, donc on vote pour appuyer la demande. Pour ou contre? Pour. M. Kirby? Pour. M. Lafleur? Pour. M. Leroux? Monsieur Saint-Amour? Contre. Monsieur Zan? Contre. Monsieur Sarrazin? Donc, ceci conclut l'item 9.2.1. Pour et 11 contre. Donc, la résolution est... Merci beaucoup, Mme Cadieu. Donc, on va passer à prochain item. C'est Monsieur Riopel. On veut le réinviter à se joindre à nous. Item 9.3, c'était des résolutions des autres municipalités, donc on n'en a pas d'autres que celle de Champlain. On va passer à les items 10, résolutions découlant des rapports des comités permanents. Donc 10.1, c'est le plan annuel de performance sur le temps de réponse des ambulances terrestres pour 2022. Ça a été présenté au comité de services d'urgence. Là, c'est pour le conseil en prendre connaissance. Vous avez eu la chance de regarder le rapport. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour M. Périard? Aucun? Donc, ça serait qu'un proposeur puis un appuyeur pour recevoir le rapport. M. Lafleur, M. Kirby, tous en faveur? Excellent. OK, les items 11, avis de motion, résolution écrite des membres, on n'en a pas. Période de questions aux chefs de département à l'item 12. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des périodes de questions pour les chefs de département? Madame Astley. Oui, ma question serait pour M. Bouchard. Et M. Bouchard, c'est juste pour un suivi. Bonjour, M. Bouchard. Allô? Merci d'être avec nous. Je m'excuse de ne pas vous avoir fait parvenir la question auparavant, mais c'est simplement un suivi. Est-ce que vous avez entendu, est-ce que le dossier est toujours dans leur court, comme on dirait, dans leur cour, dans le sens… Exactement. It's still in their court at this point. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'en conclusion, là, sur ce dossier-là, on était… censé d'avoir deux communications du ministre du Transport, c'est ce dossier-là, la Highway 34 et la 17, et aussi l'élargissement de la 174 qu'on a fait une délégation. Donc, on est toujours en attente de ça. On espère que ça va se concrétiser prochainement. Ça fait quand même quelques mois qu'on a eu des rencontres à ce sujet-là. Donc, je pense qu'on a hâte d'avoir des nouvelles du côté du gouvernement provincial. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, commentaires pour des chefs de département? Madame K. Juste un petit rappel, lorsque vous parlez, juste parler plus proche du micro, comme ça les chefs vont pouvoir bien vous entendre. Merci. Merci. Donc, aucune autre question, commentaire? Je sais que je mets tout le temps M. Périard sur le spot avec... situation COVID, peut-être juste nous donner un petit résumé. Je sais qu'on en a beaucoup de résumés pour ceux qui sont intéressés. Ils peuvent en entendre deux par semaine de Dr. Paul, mais ça ne nous donne pas vraiment l'heure juste de notre implication en tant que municipalité avec nos services de paramédics. Puis aussi, peut-être, M. Périard, juste élaborer sur la réponse qu'on a eue de la ministre des Soins des soins de longue durée pour le programme de paramédic communautaire. Merci, M. le Président, pour le COVID. Évidemment, il n'y a rien qui a changé au niveau du support qu'on donne au bureau de santé et puis tout ce qu'on fait là, en ce moment. Évidemment, il y a possiblement la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui va venir en jeu plus tard. Mais en ce moment, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Oui, on a eu des bonnes nouvelles cette semaine. Le ministère des Soins de longue durée a annoncé que les 22 services d'ambulance qui n'avaient pas eu une subvention pour les paramédics communautaires étaient pour en avoir.
The government committed over $80 million for the next 2 years for those 22 services. We're still waiting to see what our part is and what the amount we will be receiving is, but this will help us support long-term care and the aging community to stay at home while they're waiting for beds. And it was what we were looking for when we had our delegation during the AMO conference. So that's great news. Just looking to see the details is going to help us see what we're going to be able to put in place in the next year. Merci, M. Perriard. Je ne sais pas si ça vient à suite à la... Parce que toutes les... Puis vous avez sûrement participé avec tous les autres services d'urgence à travers de l'Est d'Ontario. Je sais qu'on a eu une présentation au Eastern Ontario Warden Caucus la semaine passée ou la semaine avant. Puis il y avait des demandes qui avaient été faites parce que beaucoup de justement, de municipalités étaient dans... C'était le même scénario pour tout le monde. Là. Il n'y avait pas reçu de réponses claires, avait fait des demandes additionnelles, avait fait des délégations. Je voulais juste mentionner que toutes les 13 régions du Warden Caucus, du Eastern Ontario Warden Caucus, se sont joints pour présenter un rapport au gouvernement, puis envoyer des communications. Je ne sais pas si c'est à la suite de ça, mais ça fait quand même, le timing est pertinent là, à ce temps-ci. Monsieur le Président, membre du Conseil, je peux vous dire que le rapport du Eastern Ontario Warden's Caucus ne s'était pas rendu au ministère. La décision de subvention avait été faite au préalable. C'est juste que l'annonce, elle n'avait pas été faite immédiatement. Fait que ça n'aurait pas fait de tort, mais c'était déjà décidé qu'on était pour avoir du funding pour ça. Bien, merci beaucoup, Monsieur Perriard, pour l'information. C'est une bonne nouvelle pour nos soins de paramédic. Avant qu'on passe à un autre sujet, est-ce qu'il y en a pour des chefs de département? Non, aucune. Donc, on va aller avec les items 13 des règlements 2021-33, aller au règlement 2021-37. Est-ce que, Mme Cadieu, vous aimeriez lire la résolution? Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient adoptés par le Conseil des comtés unis de Prescott et Russell après les trois lectures. 2021-33 pour approuver la demande de consentement B063-2021. 2021-34 pour approuver la demande de consentement B073-2021. 2021-35 pour autoriser la vente de terres excédentaires dans la municipalité de la Nation. 2021-36, autoriser l'achat de, je ne vais pas mentionner la référence complète du terrain, situé à Cambridge, sauf les parties 1 à 5 du plan 50R111170. Dans la municipalité de la Nation, dans le comté de Russell, et 2021-37 pour nommer un coordonnateur de la sécurité et du bien-être communautaire pour la région de Prescott et Russell. Merci beaucoup, Mme Cadieu. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Zant, appuyé par M. Saint-Amour, tous en faveur. Ça doit être adopté en trois lectures, donc en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, adopté. Donc, on va... vous quitter pendant quelques minutes pour aller à huis clos. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur pour aller à la portion huis clos de cette réunion. Monsieur Zant, Monsieur Kirby, tous en faveur. Donc, on va juste donner quelques temps pour les gens de quitter la salle, puis on va aller à notre huis clos.
Donc, nous sommes revenus à la portion publique de la réunion. We're back to the public portion of this meeting. On va y aller avec les items 14 des résolutions provenant du huis clos. Donc, la 14.1, j'aurais besoin d'un proposant et un appuyeur pour adopter le procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil à huis clos en date du 22 septembre 2021. Donc, M. Leroux propose, M. Kirby appuie, tous en faveur. Prochain item, c'est 14.2, c'est rapport du huis clos du comité plénier en date du 13 octobre 2021. Encore une fois, j'ai besoin d'un proposant et un appuyeur. M. Saint-Amour, Mme Asselet, tous en faveur. Puis à 14.3, c'est au sujet du renouvellement de l'assurance générale. Désolé, je vais demander à Mme Cadieux de nous lire la résolution. Attendu que le marché, dans son état actuel, rend difficile l'obtention de prix pour le renouvellement de l'assurance générale des comtés unis de Prescott et Russell, et attendu que l'assurance générale des comtés unis arrive à échéance le 31 octobre 2021, et attendu que dans le cadre du processus de renouvellement, nous sommes toujours en attente de la documentation complète pour les couvertures, limites et franchises, qu'il soit résolu que le Conseil approuve ce qui suit pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. 1. Le renouvellement de l'assurance responsabilité générale avec Jardine Lloyd Thompson au montant de 463 840 $ plus taxes. 2. Le renouvellement de l'assurance responsabilité liée à l'assainissement de l'amiante et des moisissures au montant de 11 289 $ plus taxes. Numéro 3. Le renouvellement des couvertures restantes, telles que présentées lors de la séance à huis clos du 27 octobre 2021, jusqu'à ce que le Conseil examine et approuve les conditions contractuelles finales ou lorsque lesdites conditions contractuelles seront disponibles. Et 4. Le renouvellement de l'assurance responsabilité liée aux événements spéciaux, que cette couverture soit prise au cas par cas, étant donné la pandémie du COVID-19. Merci beaucoup, Mme Cadieux. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? M. Zand propose, M. Riopel appuie. Tous en faveur? Excellent. On va y aller avec l'item 15, règlement de ratification 2021-38. Je vais demander, Mme Cadieux, de nous lire la résolution, s'il vous plaît. Be it resolved that Council adopt Bylaw 2021-38 to confirm the proceedings and recommendation made in the reports, resolution, and bylaws at the regular Council meeting of October 27, 2021, after the three readings. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Monsieur Saint-Amour, Madame Asselet. Donc, ça doit être adopté en trois lectures. Donc, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, adopté. Donc, ceci conclut plus ou moins notre réunion d'aujourd'hui. On va passer avec les items 16, qui est des annonces. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des annonces à faire chez eux? Monsieur Lafleur? Merci, Monsieur le Président. Membre du Conseil, mois de novembre, on est rendu avec la journée du souvenir. Alors, nous, le 7 novembre, qui se trouve être un dimanche, nous faisons toujours ça la semaine avant de la journée du souvenir pour faire sûr et certain que nos dignitaires soient présents. On fait ça le 7 novembre à 10 heures, à l'avant de l'épitaphe ou en avant du presbytère, si vous préférez également. Aussi, on a un souper avec un humoriste le 13 novembre. Nos pompiers volontaires sont lancés lorsqu'ils ont eu le OK du bureau de santé pour qu'on puisse faire un événement. Alors, le 13 novembre, on va avoir un souper avec un humoriste au Centre communautaire de Casabin. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lafleur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des annonces à faire pour des choses qui se passent dans leur municipalité? Aucune. Donc, ceci conclut. J'aimerais juste dire que nous aurons le banquet du président des comtés unis de Prescott Russell le 20 novembre prochain. Donc, grâce au changement qui se fait là, avec le confinement puis les règlements du gouvernement de l'Ontario, on tombe en un bon temps au 20 novembre. Les mesures vont tomber le 15, puis beaucoup de choses vont être permises à ce moment-là. Donc, j'invite les gens de la communauté à s'inscrire, à venir à notre banquet du président. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, on va passer avec l'ajournement qui, pour le
cette réunion du 27 octobre. Donc, end of the meeting, adjournment. I need a mover and seconder. Madame Asley, Monsieur Kirby, tous en faveur? Merci beaucoup. Puis, vous pouvez rester des nôtres. On a une réunion du développement économique des Comtes-Unis de Prescott-Russell. Est-ce que c'est à 11 heures? C'est bien ça. Donc, à 11 heures, on aura une réunion du développement économique. Merci beaucoup. Bonne journée. Thank you, everybody, for being with us today. Have a nice day.